Je sais qu'il y a tout un complot contre moi, et contre toute une famille politique, la Mouka, et contre tout un peuple. C'est un combat pour la liberté, j'irai jusqu'au bout. Ils peuvent compter sur ma détermination. Je vais répondre. Il y a certaines questions que je ne peux pas évoquer au jour d'aujourd'hui. En principe, je ne pouvais pas venir répondre, parce qu'il y a trop d'irrégularités. Monsieur Godempoï a levé mes immunités sans m'avoir entendu, ce qui est une violation grave à la Constitution de la République. La Constitution dit que toute personne accusée a le droit de se défendre. Je pense que si ce magistrat est correct, il ne m'entendra même pas, parce que j'ai déjà introduit un recours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vais lui présenter ce recours-là. Et je crois que je pourrais retourner chez moi. Donc vous pouvez compter, il faut leur dire que je suis déterminé, j'irai jusqu'au bout. Ça c'est sûr. Où est le prof? Une autre affaire, celle de ma suspension, pour une année avec privation des salaires. Et il y a deux semaines, le juge qui devait statuer sur cette affaire a été désaisi du dossier. Et c'est demain en fait que nous aurons la nouvelle audience. Et j'ai décidé là encore d'aller en appel et je vous exhiberai toutes les irrégularités qu'il y a dans ce dossier. Un juge qui est commis via une ordonnance et les délais étaient impératifs, il devait forcément rendre le jugement ce mardi-là. Ce juge-là est désaisi. Et un autre juge qui n'a pas qualité, qui n'a pas été désigné par ordonnance, siège et statut et renvoie à deux semaines pour revoir tous les débats. Nous reviendrons. Donc je suis disposé à répondre devant la justice. Ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent compter sur ma détermination, jurer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il s'agit d'un combat pour la liberté. Ce n'est pas le combat de Mukeba. Et si ce n'était mon combat, je crois que je me contenterais de mes deux gosses à la maison. Je pourrais bien me battre pour les envoyer à l'école. C'est un combat pour la liberté au nom de la Mouka, au nom de tout un peuple. Nous nous battrons jusqu'au bout.